Les meilleures architectures, spécifications et conceptions émergent d'équipes auto-organisées. Bon, je ne vais pas être trop longtemps là-dessus, j'ai déjà commencé à l'évoquer avec les principes précédents, mais effectivement, c'est quand l'équipe maîtrise complètement son sujet qu'elle sera la plus efficace. Et donc, si c'est à elle de déterminer avec quels outils logiciels elle veut travailler, quelle démarche de test elle veut mettre en œuvre, etc. Je vous laisse faire. Typiquement, comment est-ce qu'on gère les congés dans une équipe Scrum?